Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. On avance dans le complexe. Ouais. C'est vous qui avez la meilleure chance de trouver la mochaille. On va faire front et créer une diversion. Vous en êtes sûr? Ça ressemble à une mission suicide. Mais ça nous fait pas peur. Mais c'est pas ce que je vous demande. Voilà l'entrée principale, on part par là. En tout cas, les animations, et je trouve que, enfin... Gardez le contact radio. Et bonne chance. Les animations et ces aliens-là sont assez moches. Je veux dire en termes de graphisme. Vous croyez qu'ils font et de texture. Hein. Je suis assez déçu, pardon. Pionnier, le programme que j'ai utilisé pour percer le champ électromagnétique pourrait également causer une surcharge et permettre de détruire ce complexe. En revanche, l'impulsion serait mortelle pour la physiologie. C'est problématique. Oui, on va mettre ce plan au placard pour l'instant. On en parle de la personne ici, là, ou pas? Je suis l'Archonte. Je répands sur vous la gloire. La gloire nouvelle. D'accord, pourquoi pas. Ouais, bref, on y va, on avance, hein. Écoutez. Hop, là, peu porte. Ah bah t'es déjà là. Génial. Un protocole de décontamination. La salle est verrouillée jusqu'à la fin du cycle. Donc, on est coincé. J'aime pas ça du tout. Donc, on est potentiellement... Non, il est impossible de briser cette vitre. Contaminé par quelque chose. Décontamination, de quoi? Bonne question. Je ne suis pas sûr de vouloir savoir. Vous allez être décontaminé de votre humanité. C'est bon? Oh putain. Pionnier, répondez. Comment ça va? On est caché et on voit certains des nôtres depuis notre position. Je crois qu'on est dans une zone réservée aux Kert. Pas de Moshaï en fait. Compris. On discute de la suite des opérations. On vous tient au courant. Il continue à bouger. Pauvre bête. Allez! Ça fait mal? Ça fait mal? Il a pas l'air très très dynamique cela dit. Oh, je suis mauvais. Bah là, s'il m'a pas vu par contre. Oh! Le poil de cul! Le fameux poil de cul de vie. Boum, voilà. Adieu le poil de cul. Voilà, merci. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Ok. Oh nom de Dieu! Qu'est-ce que c'est? Soyez les bienvenus. Avancez. Je suis honoré d'être là. Ici, devant vous, les élus. Choisis par l'Archonte. Ils vont les transformer? Pour être exaltés. Ça expliquerait leur espèce de truc là sur les côtés. Pourquoi ils ne disent rien? Qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait une saloperie de secte, ce truc. Ces Angara ont l'air complètement en transe. La Moshaï n'y est pas. Je l'aurais vu. Peut-être dans une de ces capsules. On n'a pas de meilleure piste. Vous vouliez une diversion? Le spectacle vient de commencer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, wow, wow, wow! Ça me plaît comme diversion. Impossible. Archonte. Expliquez-vous. Nous sommes attaqués.
Je défendrai le temple jusqu'à... Attendez. La Moshae est parmi eux? Non. Elle attend l'exaltation finale. Dans ce cas, amenez-la-moi immédiatement. Donc les Kert sont des Agaran, c'est ça? L'exaltation finale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on sauve tous les Angara. Concentrez-vous. On est venu pour la Moshae. C'est notre priorité. Votre priorité? Ouais. Mon vaisseau, mes priorités. Point. On pourra pas sauver tout le monde. Là, faut pas... Regardez l'usine. C'est une usine à esclaves. On pourra jamais sauver tout le monde. Il faut se concentrer sur les personnes qui pourront en sauver d'autres. Je suis désolé, hein. Là, pour le coup, je pense que ce que je fais, c'est... C'est ce que je fais de mieux. Ce que je fais, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, pour le moment, là, je pense. Hein. On pourra jamais sauver tout le monde. On sort la Moshae d'ici. Il faut sauver ceux qui pourront sauver plus de personnes à notre place. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir une agression juste en face. La résistance avait hâte d'entrer en scène. Pourquoi y a personne? Ouais. On a contacté le commandant Toxil. Nos soldats vont venir en renfort. Pauvre homme. Envoyez des scientifiques et des techniciens. Il faut qu'on rassemble un maximum de données. Dommage. Entendu. Wow. Notre objectif reste la prochaine. Ah, c'est bien, vous avez vu les mouvements de prédateur? Gauche droite de félin, j'irais même. Hop. Je vois les capsules au-dessus de nous. Elles sont parties derrière ce mur. On doit pouvoir le contrôler. Ah, je suis mauvais. On a qu'à demander notre chemin à cela. Les volontaires? Cora? Je préfère leur tirer dessus d'abord. Voilà, problème résolu de ce côté-là. Passer la chambre principale et on continue d'avancer. Il est très tordu ici. Vous voyez quoi? C'est une sorte de... J'ai dû en avoir un. Bizarre. Non? Vraiment bizarre. On a trouvé une salle remplie de prisonniers qui avaient l'air d'être en transe. On n'a pas pu les convaincre d'évacuer, donc on a dû... Ok. Vous voyez? Allez! Sam, du nouveau sur le fonctionnement de cet endroit? Les recherches avancent, pionnier. Mais les Angara n'avaient aucune information sur ce complexe. Les Angara. Voir mes priorités. Êtes-vous en danger? On s'en sort, Sam. Merci. Il est mort. Progression. Wow, gros sac. D'autres menaces. Ils n'ont pas l'air commodes. Abattez-les. Voilà. Il veut pas rester en face de mon viseur, lui. Vous savez quoi? On va shotgunniser un petit peu la situation. Où est-ce qu'ils sont? Putain, mais j'arrête pas de monter, de descendre, monter, de descendre, c'est chiant. Voilà. Problème résolu. Wow. Ça demande un scan. La Moshae n'est pas dans une capsule. On fouille tout de fond en comble. Elle est forcément là. Vous êtes sûr de vos infos? Oui, d'accord, peut-être pas. Mais on a que ça. Bizarre. Souvent, quand ça demande un scan, c'est que c'est nécessaire, ou presque. Oula, d'accord, ok, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse. Ouais, sauf qu'il est bloqué ton tunnel. Hop. Je peux la contourner. Mais combien il y en a? Pendant tout ce temps, tous ces prisonniers. Vache. On peut lancer une recherche. Et vite. Mâle Angara, 35 ans environ, 191 cm. Tissu cicatriciel sur la partie inférieure droite de l'abdomen. C'est pas la Moshae. Personne qui lui corresponde. Ryder, si vous trouvez une console, je tâcherai d'y accéder.
C'est quand même une situation de merde, je veux pas dire, hein, mais... Ouais, c'est bon, la console, je l'ai. Okay, terminal, Kurt. Voyons un peu ce que tu caches. Sam ? Recherche en cours. Oh oui ! Les élus sont enregistrés par information génétique. Fais vite, s'il te plaît. J'opère à vitesse maximale dans une langue et une technologie alien, en comparant les données avec les bases de données en Garin. La mochaïne donc... est ici, et sa capsule a été déplacée il y a quelques instants. Merde ! Où est-ce qu'ils l'ont emmené ? Les capsules peuvent être transférées à des pièces qui entourent ce noyau. Ok, on y va ! Allons-y. Johnny, répondez. J'écoute. Nos renforts arrivent. On retourne au point de ralliement. On tient une piste pour la Moshae. On pense... qu'elle est en vie. Harley Mutual. Excellente nouvelle. On vous recontacte. Je pense qu'ils vont la retourner contre nous. En toute honnêteté, je pense que c'est comme ça que ça va se faire. Bonjour. Tous à terre. Sam, tu peux faire quelque chose pour nous aider? J'y travaille. Allez, ça pue. Elle va changer juste devant nos yeux. Ou il va la tuer juste devant nos yeux, ça dépend. Putain, ça vole? Ça vole, ces saloperies? C'est une femme ? Et elle va se transformer en Kurt. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Non, attendez. On doit sauver les Angara. Ne le tuez pas. Jal, il nous tire dessus. Ce n'est pas sa faute, Jal. Ce sont les Kurt qui l'ont transformé. Ok. Fermine, votre heure a sonné. Jal, restez concentré. Ok. Viens par là. Ok. Bon, on les a tous eus. Tout le monde va bien ? Mais... Tokin. Y a moyen que je le regarde ? Non, je peux pas. Dommage. C'était quoi ce bordel ? Ça, c'est pas bon. Pas bon du tout. J'en ai vu des saloperies. Mais là, c'est d'un autre niveau. Dites-moi... Oh merde, je voulais pas te cogner, excuse-moi. Jal, dis-moi tout. Qui c'était ? Qui c'était ? C'était pas la Moshae quand même, merde ! Jal. C'est mon peuple. Oh, c'était un peu obvious, hein. Quand ils disent que plus ils en tuent, plus ils en arrivent. Il y a d'autres pièces. Je continue les recherches. Il faut qu'on la trouve. Vite. C'est nous. Ouais. Combien j'en ai tué sans savoir ? Ryder. Je n'en savais rien. Qu'est-ce que je peux faire ? Dites-moi. C'est gentil. Je ne sais pas. Ok. Commençons par retrouver la Moshae. Si quelqu'un peut nous expliquer ce que ça représente pour les Angara, ça doit être elle. Situation con, c'est vraiment dégueulasse. Ryder, Jal, je l'ai trouvé, en bas. De toute façon, quand on y pense, on n'est jamais tombé sur... Enfin, quand il parlait de secte, il avait entièrement raison, le fait qu'on puisse retourner une personne contre n'importe qui. Ça, non, le costume. Dépêche-toi. Procédure de contournement. That shoot.
Allez! Allez! Plus vite! Elle tient la Moshae! Moshae, je sais pas! On vient vous chercher! Voilà! Tiens, bouffe! Tiens, mais ça fait rien les grenades quoi! Hop! On progresse! Là, on lui court après, les filles. Hein. Hop! Putain, il a pris l'ascenseur, le sac! Sam, tu es nouveau? Probablement à la zone de lancement de la navette à l'étage. J'ai réussi à accéder au plan du complexe au dernier terminal. Cool! Allons-y! Va falloir qu'on se magne. De la bouffe, enfin, des munitions, de la santé, je sais pas. Non? Ok, shotgun. Pas shotgun. Ah, voilà! Je la vois! Il s'apprête à partir! Tenez bon, Moshae, Shefa. On arrive! Vous ne l'aurez pas! Vous nous sous-estimez. Ma propre exaltation me protège! Pauvre imbécile! Qu'est-ce que je viens de lui faire là? Orbe du cardinal. Protégez l'élu. Ouais, ouais, j'ai bien entendu que j'étais low niveau santé. T'inquiète. Putain, ça demande de la précision ce truc. Il est débile. Allez, bouffe. Tiens, bouffe. Aïe. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il me fait? C'est moi qui crame. Pourquoi c'est moi qui crame? Où t'es? Où t'es, sale bête? Aïe. Fait super mal. Et pourquoi tu me tires dessus? Mon pote me tire dessus. Et bah je vois des choses. Crac. Je sais pas ce qu'il faut que je prenne pour shooter ce truc là. Je vais tenter un truc. Waouh. L'ATP de la mort. Ok, il l'a senti passer. Il l'a senti passer. Allez. Putain, j'ai à peine le temps de lui faire des dégâts. Hein. Ok. On va tenter notre manœuvre. Hop. Merci pour les boucliers. Ah la vache, dès que je suis à portée, il me recte. Oh la... Quoi? Mais c'est absolument dégueulasse. Donc j'ai full vie, full bouclier, mais il me one-shot. What?
Ah, c'est pute. Je suis désolé, hein. Là, c'est pute, honnêtement. Voilà. Je la vois. Il s'apprête à partir. Tenez bon, Moshe, Shefa. On arrive. Vous ne l'aurez pas. Vous nous sous-estimez. Protégez l'élu. Ma propre exaltation me protège. Pauvre imbécile. Bouf. Les pouvoirs sont un don de l'archonte. Je ne fléchirai pas. Ah, t'aimes pas ça, hein? Tiens, regarde, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. J'ai mal. Oui, bah c'est bien. Hop. Allons-y. Oh, je suis derrière un bouclier. Ce serait ça l'astuce pour l'esquiver. Nous nous battrons jusqu'à la mort. Protégez ce lieu sacré. Est-ce que ce serait ça l'astuce? Se rapprocher, attendre qu'il fasse son aura. Sac. Tu céderas pas, mais moi je vais te faire céder, tu vas voir. Hein. Où est-ce qu'il va? Ok. J'ai faim, et alors? Oh! Non! Tu ne le referas pas. Tu m'as one shot une fois, pas deux. Allez, viens. Viens, te dis-je. Est là. Quoi? Ah oui, non, j'ai eu peur. Wow. Tu peux... J'ai besoin d'aller récupérer des munitions, merci. Aïe. Ça serait... Je l'ai eu. Je l'ai eu. Où est-ce qu'il est? C'est bon, je l'ai eu. Lanat 3. Ok, pourquoi pas si tu veux. Qu'est-ce que... Ok. J'ai eu. Il l'a eu. Elle l'a eu, pardon. Je vais prendre le Zalkin 3. Moshe Jefa. Ça va aller. On va vous sortir d'ici. Waouh, l'horreur. Personne n'est jamais revenu de chez les Kert. Ouais, bah moi je suis nouveau. Je ne connais pas encore les règles.
Bref, l'alerte a été donnée. Il faut qu'on parte tout de suite. Je ne suis pas la seule ici. Ils ont enlevé tout le groupe. Elle va mal. Son système immunitaire a été anéanti. Ah oui, effectivement, quand je vois comment elle a des problèmes de jambes, là... Vous ne l'aurez pas. Pourquoi pas ? Allez, tire ! Elle est pour l'Archonte et personne d'autre. Elle vient avec nous. Attendez. Pourquoi l'Archonte ? Pauvres ignorants. C'est un cadeau. Qui êtes-vous pour vous y opposer ? Vous les changez en monstres qui s'en prennent à leurs semblables. Ces élus se destinent à un avenir glorieux qui dépasse votre entendement borné. Comme eux, j'étais misérable autrefois. Désormais, l'ADN exalté du grand Archonte est lié au mien. Donc l'Archonte est différent. Épaules de sa grandeur, tout comme eux, et comme vous, un jour. Espèce d'arrogante. Viens par là, tête de gland. Viens par là, tête de gland. Je vais vous défoncer la fiole. Ça va être grandiose, ça aussi. Pionnier, je détecte plusieurs croiseurs Kert en approche. Vous serez tous exaltés. Sam. Donc, il va y avoir des humains aussi. Ce palais de l'horreur. J'ai accès au champ électromagnétique. Je peux le surcharger. Il faut d'abord qu'on évacue nos frères. On n'a pas le temps d'aider tous ces Angaras à sortir. Il y a des centaines de capsules. Attendez. Laissez mon temple sacré intact. Et j'ouvrirai les capsules des élus. Emmenez-les, mais ne touchez pas à ce lieu saint. Non. Même si je meurs ici, il faut détruire cet endroit. On pourra revenir le détruire. Libérons d'abord cela. Si votre plan échoue, les Kert reviendront aussi vite. Sauf votre respect, nos compatriotes sont là aussi. Nos soldats, nos scientifiques, notre force. Je vais détruire le complexe. Sam, surcharge le champ électrique. Comme je l'ai dit. Mon signal. Non ! Tous les Kert subiront le même sort jusqu'à ce que mon peuple soit libre. On a la Moshae. Direction le toit pour l'extraction. Vaut mieux couper un bras qu'une. Une main qu'un bras. Voilà les Kert. Ils ne nous laisseront pas partir. Selon moi. Selon moi. Je sais vraiment pas comment ça va finir. Je vais vous aider. Venez, approchez-vous de moi. Non, Moshae. Gardez vos forces. Cette décision n'appartient qu'à moi. Effectivement. J'avance. Suivez-moi. Putain, c'est vraiment particulier comme... Hop. Ok. Sale, toi et tes amis aliens êtes redoutables. Je vais nous trouver un chemin. Par ici. Ok. On continue à progresser. Je l'ai eu. Je reste avec. Carphalon. Le Carphalon est une lame carte capable d'injecter différents types de simulants neurochimiques dans la main de son utilisateur. Oh, la douleur, il est fait... Oh la vache, 411 de dégâts corps à corps, ça peut être intéressant. Ok, Simone, tu suis, Simone. Allez, Simone, on y va. La plateforme, Simone, la plateforme. Allez. Pionnier, répondez. Vous avez la moche à vie. Hect, nous allons profiter de l'occasion pour raser cet endroit. Il le faut. Oui, moche à vie, je suis d'accord. Je vais prévenir... Il sait pas encore, Hect. Hein. Il gérale. Faites attention. Il sait pas encore. Attention! Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Navette, on est dépassé là! Dépêchez-vous ou vous allez nous ramener dans des sacs mortuaires! Désolé, je peux pas me poser. Approchez-vous du bord du toit, on va se débrouiller. C'est que ça, d'accord, c'est là.
Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est le gros? Allez, viens, viens, chatan, viens, chatan, viens, chatan. Viens, chatan, viens, chatan, viens, chatan, viens, chatan. C'est bon, t'es mort. Le gros, je l'ai eu. Putain, ils sont deux! Allez! C'est maintenant ou jamais! T'aimes? T'as chaud? Ça te réchauffe? Tout ça, tout ça? Apparemment, ça l'a pas fait. Ryder, les renforts ennemis n'en finissent plus d'arriver! Compris. Dirigez-vous vers la navette! Vite! Vite! Ok, on y va. Wouh! C'est la fête! Ouf, l'animation qui est légèrement un peu bizarre là sur le truc hein. On a l'impression que mon personnage est parti trop en retard. Donc c'est ça qu'on vient de péter en fait, d'accord. Pourquoi pas. Et voilà, encore une animation débile du tempête. Je suis désolé hein, il n'y avait aucune raison, hein. Fallait qu'on rentre simplement sur la base la base de la planète. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Désolé. T'en as encore un petit peu là. Va précipiter notre cause. Oui, mon cœur brisé peine à l'intégrer. Eux qui sont hypersensibles, tu m'étonnes. Lexi, vous pouvez nous laisser. Bien sûr, mais allez-y doucement. Elle est fragile. Tu m'étonnes. Elle m'a tassé de frêle. Fragile. Ah, Jal m'a dit que vous étiez un pionnier de la Voie lactée. On peut discuter un peu? Bien sûr. Votre courageuse décision là-bas a gagné ma confiance. Ça n'avait rien de courageux. Ça n'avait rien de courageux. On y a tous perdu. Je suis d'accord. Vous avez pris une décision difficile. C'est cela qui était courageux. Mais alors, les résultats sont les mêmes. À quoi est-ce qu'il leur sert? Ils appellent cela l'exaltation. Ils croient que ceux qu'ils exaltent reçoivent un cadeau formidable. Ils croient. Cadeau. C'est là qu'il doit être toute la nuance. Nous déprave. La nous foi. Nous et nos proches. Je ne peux pas. Vegeta, calme-toi. Une mutation génétique complexe, un échange de traits dont les Kert se servent pour faire avancer leur espèce. D'accord, donc ce sont des gènes. Mais pourquoi? La reproduction. La domination. La tyrannie. La destruction. Oui. Ça se trouve, il croit qu'il peut me piquer mes gènes et piquer mon IA au passage. Transformé. L'archonte. Il me gardait suspendu. Il croit que c'est moi et pas l'IA, alors que c'est l'IA. Venir à lui pour me montrer des reliquats et il me battait si je refusais de parler. Ça va, ça pourrait être pire. Non. Les reliquats. Cela l'obsède, tout comme vous. Oui, Jal me l'a dit. Vous m'avez sauvé pour accéder au caveau d'Aya. On a besoin de votre aide. Mon peuple a fait tant de chemin. Nous mourrons si nous ne pouvons pas nous établir quelque part. Ces caveaux pourraient détenir la clé. La clé de la prospérité pour nos deux espèces. C'est à mon tour d'entendre votre appel. Je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Les émotions ne doivent pas entraver la marche de la science. Ah, c'est con pour votre votre espèce, pardon. Oui. Race. Merci, Mosha et Shefa. Shefa. Vous avez d'autres questions, pionnier? Je serai ravi d'y répondre, quand vous voudrez. Vous avez quelqu'un? On reprend les questions con. C'est parti. J'ai besoin de me reposer un peu. Ah bon bah. Donc c'est pas quand je veux alors. Hein? Ah putain, elle s'est couchée. J'ai juste besoin de me reposer un peu. Donc c'est pas quand je veux. Je suis désolé, je m'insurge. Ce n'est absolument pas quand je veux. Bah écoutez chers amis, du coup nous on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.